Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, nous voici dans. C'était quoi encore? Squid Game dans l'épisode 8. Donc, il nous reste simplement cet épisode et le prochain. Je vais essayer de les faire le plus tôt possible. Donc, juste n'oubliez pas avant de commencer à regarder la vidéo, excusez-moi, de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner, s'il vous plaît. C'est très important et nous voici pour une réaction qui va débuter. Je sais, pour de vrai, j'avais... comment dire ça? Je savais pas trouver mes mots. J'étais en train de dire n'importe quoi. En tout cas, on commence. En passant, je mange encore. J'ai pas le temps de manger à part quand je fais pas de réaction. Parce qu'au moins, ça, je peux faire deux choses en même temps. Excusez-moi. C'est tellement... je sais pas. Ça fait bizarre. Ils sont juste trois personnes qui restent. Waouh! En plus, je mange, ça fait bizarre. Ok. Maintenant que j'y pense, cet épisode, il dure juste seulement 30 minutes? Sérieux? Oh my god, la réaction devrait être moins longue. Moins longue que ce que je pensais, en tout cas. Lui, il devrait faire attention parce que ils sont à sa recherche. Puis ils vont sûrement trouver. Ils vont essayer de fouiller l'île qui est la plus proche. Ça, c'est garanti à 100%. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, c'est vrai à cause des maudites vitres, hein, je me trompe. T'es con parce qu'ils ont réussi, mais. Tout ça à cause de. De la. Tout ça à cause des vitres, elle s'est blessée. Je veux savoir pourquoi tu l'as poussé. T'as eu beaucoup de chance de pouvoir. Je sais. Ça a dû t'enlever de la pression, je suppose. Et si cet homme avait refusé d'avancer comme l'a fait l'autre voyou, t'aurais fait quoi? T'aurais pas réagi, peut-être? Ça aurait été en dernier. Mon dernier recours, mais il nous restait pas beaucoup de temps. Mais il avait l'intention d'avancer. Comment tu peux être si sûr de ça? Ce gars-là. Il savait reconnaître le verre trempé, mais il a regardé combien de personnes tomber et mourir sans rien dire. C'est vrai. Je te rappelle qu'à la fin, si on a pu traverser ce pont, toi et moi, c'est en grande partie grâce à lui. C'est des conneries. Et il serait temps que tu ouvres un peu les yeux. C'est pas grâce à lui que je suis resté en vie jusque-là. Si je suis resté en vie... C'est grâce à moi. C'est parce que jusqu'à maintenant, je me suis battu comme un acharné pour ça. Tu peux trouver toutes les excuses du monde. La réalité, c'est que tu as tué un innocent. Ressaisis-toi un peu. Je te rappelle juste qu'on va devoir tuer tout le monde ici. Pour partir avec la récompense. Tu devrais plutôt m'être reconnaissant d'avoir fait le sale boulot pour toi. Mais en même temps, il devrait comprendre. Tu m'aurais poussé si ça avait été. Pff. Oh, mais putain de merde! Ji-hoon! Tu sais pourquoi ta vie est aussi pitoyable? Parce que tu poses des questions stupides, même dans ce genre de situation. Parce que tu changes pas, parce que t'es qu'un imbécile de fouineur qui pense à deux à l'heure. Il faut toujours que tu te foutes dans une galère pour te rendre compte que c'est une galère. Sûrement. Mais il peut... C'est certainement ma faute si j'en suis là. Mais en tout cas... Je suis quelqu'un de lent. Mais lui aussi... Mais lui aussi, il est pas mieux. Je suis qu'un idiot fouineur qui a raté sa vie et vit encore chez sa vieille mère. Mais dis-moi... Que fout Sang-woo, la fierté de Sang Moon-dong, le petit génie de l'université de Séoul ici, a pataugé dans ce... C'est ça que je suis en train de dire. C'est sûrement ma faute aussi. Nous vous présentons nos sincères félicitations pour votre parcours et votre réussite. Lors de ces cinq épreuves. Vous êtes désormais nos heureux finalistes. Évidemment, ils ne pouvaient pas partager l'argent en trois. C'est tellement chiant. Avant de vous dévoiler ce cadeau, veuillez vous préparer et passer les tenues que nous allons vous donner. Thank you.
Wow. C'est ça qui m'énerve. Elle a pourtant réussi l'épreuve. Ça, c'était vraiment de la chance qu'elle s'est blessée comme ça. Waouh. Mais quoi, je dis tout ça, mais il y en a toujours, il y en a un des trois qui va crever, ça c'est garanti. Même peut-être deux d'entre eux vont crever. Je sais pas comment ça va se passer pour les deux derniers épisodes. Ouais, ils sont vraiment à sa recherche. Et ils savent qu'il est venu ici. Honnêtement, il aurait dû. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait dû faire, mais en tout cas. J'espère que tout va bien se passer pour lui, mais je sais pas. S'il y a une saison 2 dans ce jeu, dans ce film, dans cette série, peu importe. C'est sûr que ils ont réussi à s'échapper, ou je sais pas moi. Ils ont réussi à coincer le gars, ça c'est sûr. Évidemment, il fallait qu'ils mettent une musique, qu'est-ce que j'allais dire, classique. Festin de ce soir a été préparé en gage de gratitude pour les sacrifices et les efforts que vous, finalistes, avez consentis, et pour vous encourager à vous dépasser de manière encore plus spectaculaire lors du dernier jeu. Passez un agréable moment et profitez de votre festin. Excusez-moi. Elle a vraiment pas l'air d'être en point pour manger. Est-ce qu'il est chiant, c'est qu'ils ont pas de docteur pour les guérir au moins? Non! Il faut vraiment. Il les laisse vraiment à part. S'ils sont sur le point de mourir, ils s'en foutent. Ça, c'est pas leur problème. Qu'ils sont malades, c'est pas leur problème. Ah, moi, je pourrais pas manger. Saignant. Moi, il faudrait qu'il soit vraiment bien bien cuit si je mangeais de la viande. Et encore, je mange pas. Et pourtant, j'ai entendu. Apparemment, en cuisine, la bonne cuisson, c'est medium rare, si je me trompe pas. Quoique, quand j'y repense, tout ça, c'est bien qu'ils puissent manger, essayer de profiter de tout ce qu'ils ont. Parce que franchement, là, on peut pas dire qu'ils ont bien mangé depuis qu'ils ont commencé. Depuis qu'ils ont. Ils jouent là. Je suis de la police. Lâchez tout de suite vos armes et rendez-vous.
J'ai déjà alerté mes services sur vos activités. Ils seront là avec des gardes-côtes d'une minute à l'autre. C'est nouveau. Depuis quand la police coréenne est aussi réactive? De plus, dans cette zone, aucun signal téléphonique ne passe. Alors je ne sais pas ce que tu as envoyé, mais je doute que ce soit arrivé. Si vous vous rendez maintenant, vous aurez un aménagement de peine. Si tu lâches ton arme et que tu me donnes le téléphone maintenant, je te laisserai peut-être vivre. Arrêtez-vous! Ce pistolet contient 5 balles. Selon le règlement en vigueur dans la police, une chambre doit rester vide. Et une autre doit contenir une balle à blanc. Sérieux? Il ne te reste donc plus que 3. Tu en as utilisé une pour tuer un homme, et une autre pour faire sauter le verrou. Cela veut donc dire qu'il ne te reste plus qu'une seule balle dans ton arme. Une balle suffira pour vous tuer. Sérieux? Yo, je savais pas qu'il y avait des règlements à ce point là. Puis oh mon dieu, moi je suis pas capable de manger avec tout ce sang qu'il y a. Laisse-moi deviner, la fille a presque pas mangé. Excusez-moi. Elle sentait vraiment pas bien. Ah, évidemment, ils veulent garder ça. Oh, wow. Waouh, ils les ont laissé un couteau pour dire gardez-le si vous voulez poignarder quelqu'un ou tuer quelqu'un. On vous le laisse. C'est pas comme avant où on n'avait pas le droit d'armes. Vous vous rappelez? Là, il les a carrément laissé une arme s'ils veulent tuer l'autre. Oh waouh. Je vous avais averti de pas faire un pas de plus. Oh! C'est terminé. Viens avec moi. Fais ce que je te dis. C'est ta seule chance de survie. Bonne question. Vous êtes qui? C'est qui lui? Ne me dis pas que c'est son frère. Et lol, c'est drôle parce qu'il a dit que si on voyait mon visage, vous serez tué. Regarde-lui. Il lui montre pas son visage? Waouh, c'est son frère. Il va le tuer, hein. Son propre frère va le tuer. Pourquoi? Je peux pas croire que t'as... Ben, c'est égalité, on va dire. Le gars l'a tiré, lui l'a tiré, mais il va tomber. Donc il va mourir, donc c'est pas la même affaire. Puis en plus, il se fracasse la tête. J'imagine aussi c'est parce qu'il a pas montré son visage aux autres.
Il a juste montré au gars, puis le gars en question, il l'a tué. Tandis que l'autre qui s'était fait tuer avant, je pense qu'il avait montré son visage à pas juste une personne, mais aux autres. Waouh! Il se méfie de tous. Hey, je suis sûr qu'elle dort pas. Ça est, Biok. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour te tuer. Tu t'es assoupi. J'aurais déjà pu te tuer si j'avais voulu. C'est uniquement à cause de lui que je l'ai pris. C'est dommage. C'est dommage qu'elle se soit blessée à cause de l'autre épreuve. Parce qu'elle avait réussi, franchement. Puis elle est passée bien avant le gars. C'était pas bon. Faisons équipe tous les deux. Pour le prochain jeu. Je sais pas ce qui nous attend. Mais soutenons-nous, toi et moi, comme une équipe. Comme ça, on aura une chance de le battre. On pourra partager la récompense et quitter cet endroit. Tu penses? Je vous ai dit, il y aura juste une personne qui va rester. Pourquoi? Ben, peut-être pas nécessairement. Ils ont dit que il y avait juste une dernière épreuve. Pouvoir gérer sa propre affaire plutôt que faire des stands. Et aussi, je veux être un bon père pour ma fille. J'ai promis de le faire sortir une fois que j'aurai l'argent. Et que je rapatrierai ma mère aussi. J'ai promis que je ferai ça une fois que j'aurai assez d'argent pour nous acheter une maison. Avec la moitié de la récompense, tu pourras t'acheter plus que ça. J'ai une requête. Est-ce que tu pourrais me promettre une chose? Te promettre quoi? Que si jamais l'un d'entre nous a la chance de pouvoir sortir vivant de ce jeu, il prendra soin de la famille de l'autre. Je veux pas que tu dises ça. J'aurais aimé moi aussi. Je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Mais il n'y a pas vraiment le choix. Fais-moi quand même la promesse. Promets-moi que tu prendras soin de mon frère. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il s'est assoupi? Et c'est la preuve pour laquelle il a laissé son couteau? T'es pas ce genre de personne. Ouais. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que t'as? Oh! Ça y est.
reste éveillé, je t'en prie. Tu tiens le coup, d'accord? Je vais aller chercher un médecin. Un médecin? J'ai un mauvais pressentiment, ils vont pas accepter. À l'aide! Elle a perdu beaucoup de sang! À l'aide, je vous en prie! Quelqu'un est en train de mourir! Est-ce que quelqu'un m'entend? Bande d'enfoirés! Quelqu'un est en train de mourir! Il faut qu'elle soit en vie pour participer à votre putain de... Répondez-moi, je vous en supplie! Ils vont rien foutre pour de vrai. Oh! Sérieux? Allez chercher un médecin. Elle a perdu beaucoup de sang. Dépêchez-vous. Pourquoi une boîte? Oh, le connard! Yo, honnêtement, t'aurais dû le tuer pour de vrai. Celui-là, là. Non. Oh! Il frappe le gars, mais il frappe pas l'autre. Pourquoi, Inho? Pourquoi tu l'as fait? Ouais, bonne question. Moi, je me demande, est-ce qu'ils ont retrouvé son corps, hein? Waouh, ça se finit comme ça! Incroyable. Je veux pas vous mentir, c'est incroyable cet épisode. Ok. Donc, je dois vous dire, chassé abasourdi. Donc, qui va vraiment gagner à la fin de toute cette saison? Est-ce que ça va être son meilleur ami ou c'est lui? Je vais vous dire quelque chose. Si ce serait vraiment le personnage principal, ce serait pas étonnant, mais ce serait assez surprenant parce que franchement, c'est pas quelqu'un qui est très fort ou très particulièrement doué et il a quand même survécu. Ce serait vraiment de la chance tout ça, on verra. Bref, donc... juste n'oubliez pas de mettre un j'aime, je sais, je commence à perdre mes mots, de commenter, de vous abonner, puis on va se retrouver pour un prochain épisode, qui est le dernier d'ailleurs. Donc, bye à tous!